Il est 9h25, hein, 5 minutes plutôt, et nous sommes encore sur Diablo, mais cette fois-ci ça va être pour du farming de compo, donc les jaunes, les bleus et les blanches, plus les souffles de la mort. Là, c'est, je viens de me lever, j'ai oublié les noms. Non, faut qu'on retrouve les noms. Attends. Pièces réutilisables, cristaux voilés et poussière arcanique. Voilà. Et souffle la mort. C'est quand même n'importe quoi si je connais pas les noms des items quand même. Allez, c'est parti, on va tout de suite sur TS parce qu'on est attendu par Elarn. Donc on y va. Connected. I'm losing control, your eyes. Channel switched. Hello. Hello. Hello, hello. Comment on va? Mais toi? C'est parti. Je t'invite. T'es sur ton DH? Ouais, je suis obligé de fermer les compos. J'ai entendu ça. Tiens, il y a une pub pour Légion sur le lecteur de Twitch, à mon retour. Non. C'est des sacrées vidéos qu'ils font quand même. La vidéo de Légion, elle vous dit. De toute façon, tous les vidéos de. De Baltonet qui sont. Terribles. Et là, je prends un petit café. Tourment 12, tu veux m'assassiner? Bah, je vais voir si je passe, surtout. Que hier, ça avait l'air de passer quand même, je suis mort jamais. Moi, je suis mort zéro fois avec vous. Putain, il me faut ma dague, moi, aujourd'hui. Il me faut ma dague et je vais essayer d'obtenir l'amulette. Ça, ça coûte cher, Kadala, par contre, hein? Ouais, l'amulette, ouais. Bah, même l'arme. Même l'arme. Ouais, l'arme c'est quoi, 75? On le fait jamais en général. Moi je pense que je vais plutôt essayer de l'obtenir avec le cube. Bah oui. J'avais 11 points à mettre sur mon VH. Tu prends trop de verre. Il y a le chat qui commence à faire ses conneries, de toute façon tu veux l'entendre. Si j'ai mis le micro au pied, tu vas tout entendre les sons extérieurs. Ah, c'est vrai que t'as adopté un chat. Mais un mâle cette fois. Mais on le savait pas. On avait pris une femelle et puis un de T4, on a vu son sabre laser, on s'est dit putain de mazette, qu'est-ce que c'est? Tu as fait castrer? Pas encore, il est trop jeune. Ah ouais. Il a fait le vide castré parce que c'est. C'est le mois prochain. Il va te pisser partout sinon. Un mal ça va vite. Hein. Mais il est très très propre. Hein. Et il aime l'eau. Enfin, même en étant très très propre, il va te pisser partout parce que ça a mal. Ouais, mais ça, je m'en doute. Mais par contre, il a déjà des grosses couilles, je trouve. Hein. On va les garder, on va les bouffer. On va se faire des rouillons de petits minous. Ah, mais c'est pour son bien hein, qu'on va le castrer parce que. Ouais, mais de toute façon, tous mes chats sont castrés. Hein. Du coup, ils enlèvent carrément les testiboules, quoi. Ouais, ouais. Ça. Du coup ça coûte même moins cher ça. Ouais, t'en as quand même pour 200 et quelques euros. Non, 80. 80
Putain, c'est pas cher chez vous. Et c'est 100, 130 une stérilisation. Ensuite, beaucoup plus dur, ça. Parce que là, je crois qu'il coupe, il endort, il coupe juste et il recoupe, quoi. À la limite, hein, grossièrement. C'est une opération en extérieur, ils sont pas obligés d'ouvrir l'animal, tu vois, je pense. Non, je pense pas, non. Alors que la femelle, ils sont obligés de l'ouvrir. C'est quand même une opération un minimum délicate. Oui, ça c'est, je dis pas le contraire, ça je suis sûr. Mais après, je suis pas spécialiste, mais je pense que c'est plus facile de castrer que de stériliser, c'est pour ça d'où le prix d'ailleurs. C'est pas la même méthode. Qu'est-ce que je loupe par contre là? Ah c'est sûr, on lui coupe pas la femelle. On lui... Il lui coupe les trompes, je crois. Je sais pas s'il coupe ou s'il croise. Non, s'il croise, ça risque de marcher encore. Ils font des nœuds. Ils font un double nœud. J'ai des pièces d'Uliana, s'il te plaît. J'ai jamais fait moine encore. Hein. Naya. Ah, avant, hein, il s'appelait les Naya, maintenant il s'appelle Naya. T'es obligé de changer aussi, ça. Bah, je suis prêt. Hein. Une explosion? Non, une boule verte. Ah, c'est un sale coup. Attends, toute la fin j'ai eu un anneau quoi. Ah ouais? C'est quoi ce bordel? De toute façon on va à la foule hein donc. Ah merde, il y a un gobe. Rattrape-le, vite. Il est où? Je l'ai pas sur ma carte. Mais normal, il est déjà là. Là où je suis. C'est bon. Non, c'était un gobe de... Un mécréant, donc du coup, il loot obligatoirement, quasi. J'ai eu deux loot. Ouais, donc... Je suis bientôt full. T'as pas moi. Non, mais d'item, hein... Bah, je suis full. Oui, pas moi. Ah, Bah, reviens quand même. Je viens de faire le vide. Ah, j'ai le manticore, dis donc. Je peux ouvrir mes légendaires là maintenant, je suis juste cassé vite fait et je repars. Hop, je casse et je répare. Ah, t'es Nemesis. Je les ai même pas encore. Je vois juste. Bon, je mets petit pimps. Ah là là. C'est trop du bien. Je savais pas quoi manger ce matin, et puis quand j'ai vu qu'il y avait encore des pimps, je suis... Ouh là là. Alors, toi, tu vas y passer. Pff, je me suis fait 3 sandwichs au beurre avec du pain de mie. Au petit-déj. Oh, c'est pas vraiment... Un grand bol de lait. C'est pas vraiment des sandwichs s'il y a que du beurre. Et des tartines, du coup. Ouais, mais il y a 2 tranches. Une tranche de quoi? De pain. Une tranche de pain. Mais lol. Bah, ça sent du chopin, quoi. La merde. Un mantelet de canalisation en ancienne. Ah, c'est ce qu'il te faut pour l'aspect poulet ou dans le cube pour l'aspect firebat. Je vais les mettre dans le cube. Là. Puis je fais Firebat un jour, mais apparemment ça a été un échec chez toi. Non, mais c'est juste qu'il faut des putains de pièces, quoi. C'est une putain de grosse pièce qu'il faut, apparemment. Mais c'est compliqué parce que tous les clics, dès que tu fais un clic et que ça touche un ennemi, pouf, t'avances plus. C'est deux compétences, qu'on dirait, qui te.
qui canalise directement et tu bouges plus. Donc du coup, déjà dans les dans le jeu, il faut mettre le moving forcing avec la roulette. Donc quand tu fais rouler plus haut, ça avance et puis du coup, bah, tu peux passer à travers les mobs et tout comme ça. Oh putain, je vais me porter vite ton... ton build. Ah ouais, non, c'est vraiment des builds pour les... Enfin, je vais pas dire pour les PG, mais pour les mecs qui connaissent un moindre, quoi. C'est pas un build que tu fais comme ça. Non, c'est pas pour moi. Je vais bah, me contenter. Je te le montrerai après si tu veux. Ouais, mais je me contente. Je pense que je vais me contenter de mon Gargantua. Il est déjà très puissant. Après, tu peux mettre sur Gargantua Sacrifice. Il est un peu mieux, je trouve. C'est pas celui que t'avais essayé là, tu sacrifies tes clébards. Ouais, ouais, si, si, je peux jouer. Il est pas mal. Attends, je suis full. Déjà? Bah ouais, mais en même temps, si, je garde mes légendaires, donc du coup, j'ai moins de place. Ouais. Mais moi aussi, j'ai gardé les légendaires sur moi. Je sais pas, tu ramasses moins de trucs que moi, j'en sais rien. Je sais pas, tu ramasses tous les bleus et les jaunes pour ah les... Ah oui, tout, tout, absolument tout. Ah oui, voilà. La ceinture de la transcendance, c'est un nouvel item, ça? Non, non, non. Je l'ai jamais vu auparavant, celle-là. Tu l'utilises pas pour cette saison. J'ai utilisé pour la saison 4, mais... ou 5, je sais plus, mais... Putain, je me mets à looter, ça y est. Je regarde un truc de MMO qui se met à jour en fonction des bêtas, des jeux qui sortent et tout. Et il donne des informations sur Lost Ark. Et donc du coup, il y a les statistiques par rapport aux classes. Il y a des classes qui ont l'air bien pétées quand même. Hein. Les classes les plus fortes, Destroyer. Ah, les épaulettes. Ah bah génial, c'est mes épaulettes, j'espère qu'elles sont dans le sol. Donc il cuit, hop. Oui. Je peux pas passer, il y a un mur. Effectivement. Ah, il y a un carcuet. Ah, il y a rien là. Un coffre aussi. Ah bah, un anneau. Je suis bientôt de nouveau full. Je vais être full légendaire à la fin de cette fight. C'est du T12, normalement on sera censé se looter, mais après... Ouais, mais avec ma chance légendaire. Wouhou, ça va péter. Oh. Tu peux pas, tu peux pas rester là-dedans, même avec ton moisson d'âme indice, tu peux pas. Non, non, mais je pouvais rien faire, je laguais. Jamais, en même temps... Je pouvais pas sortir. Je peux pas sortir. Ah mais y'a qu'un... Je suis full. Je suis une stylite et je vais me vider. Ah là je crois que je vais aller toutes les 2 minutes là maintenant. C'est ça le problème. Et bon, faut absolument que je me refasse des combos. Tellement, mais tellement tout niqué. Hop, prépare, j'arrive. J'ouvre mes épaulettes pendant ce temps-là. Bon, elles sont jolies. Non. Non, si. Non, non. Elles sont plus jolies que les miennes actuellement. Bah, tu te les mets, mais mais non, il fait des dégâts de gargantua dessus. Ouais, mais je vais changer. J'aurai le temps de recharger. Mais y'a mieux. Non, le temps de rechargement c'est pas mal, mais bon. Enfin, c'est vrai qu'il te fait des gars de gargantua. Hein. Des gars de gargantua, je suis à 12% sur celui-là. Un gobelin! Un gobelin! Ouais, il m'a donné un jeton de caddie. Un jeton de brivin. Un jeton de caddie! Ah merde. Hop là, putain. C'est quand je vois cette petite boule blanche en bas à droite que je sais que j'aurais dû mourir à ce moment-là. Ouais. Oh,
c'est bien quand tu mettras les chiens, tu pourras sacrifier les chiens pour ouvrir les portes. Là, tu fais au moins une compétence que qui permet d'ouvrir les portes. Ouais, pour là, j'utilise le mur du trépas. Ouais, parce que le mur du trépas, il faut que ça soit l'extrémité du cercle qui touche la porte. Donc ça c'est compliqué, quoi. Alors que quand tu sacrifies un chien, en fait, tu le lances. C'est violent ton histoire. Ouais, c'est violent. J'avais pas fait gaffe, et puis en fait, tu lances le chien, en fait. Amis des animaux, c'est... Il se passe des choses dans ce live. Hein. Oh, ah mais là, pas, je pouvais... tu t'es bien voir, j'ai pas... je pouvais rien faire. Tu vois, il a pop juste là. Il m'a gang-bang dans le trou. Ah. Ça fait un double élite. Toujours plaisir. J'ai rien eu, absolument rien eu dessus. Ouais, que du jaune. Hein. Je te rassure, non plus. Tiens, le mec qui m'a fiché l'autre jour là pour son PL, il joue même plus le mec. Ça vaut le coup de l'avoir. Heureusement que c'est pas PL. Justement. Oh, les mecs comme ça, j'en veux pas. Les mecs qui peuvent pas comprendre les valeurs humaines, il y a un problème quoi. Hein. Ouais, mais ils se disent, on est dans un jeu, on peut tout faire. Ah ouais, mais non. Mais non, derrière le jeu, il y a quelqu'un, hein. C'est ça qu'ils comprennent pas. J'ai même vu des jeunes plus respectueux que certaines personnes qui jouent depuis très longtemps. Après, est-ce que le mec venait pas d'acheter le jeu ? Non, le mec, il voulait que je lui fasse un fétiche, il avait déjà des persos. Ouais, ça se trouve, tous ces autres persos, ils étaient faits PL. Mais oui, cherche pas, ça c'est un mec à PL, c'est le mec, oh j'ai la flemme, tu peux monter perso, vas-y viens. Ça c'est son pote qui a dit vas-y viens, puis le mec il se retrouve dans le jeu alors qu'il a aucune envie de jouer en fait dans le fond. Merde. Encore cette putain de... Excusez-moi. J'en ai marre d'avoir cette dague. Laquelle? La dague rouge avec les deux pointes. Je l'ai pas eu souvent. Je l'ai eu deux fois en ancienne déjà. Naya, tu vas pas tout démonter quand même. Y'en a marre! Si je me lève, je prends ta queue, je te fais tourner autour du vide. Je fais pas, bien sûr. Il faut qu'ils regardent, ils vont dire, mais c'est un malade! Et moi, je vais prendre ta mère, je vais faire la même chose. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai pas le stuff pour venir. Il sait pas ce que t'as pas le stuff. Il sait pas. C'est de pire en pire pour l'emploi. Tu sais pourquoi? Je cherche même pas, je vais jamais passer par. À part si je dois avoir une indemnisation chômage. Bah, de toute façon, t'as le droit à une indemnité après, logiquement, mais. Il t'envoie un courrier pour te dire oui, vous avez un entretien. Voilà, limite là, tu te dis bon, ça va. Téléphonique. Oulala ! C'est une blague ? Ça existe ça, un entretien téléphonique ? Bah écoute, oui, là, d'ici quelques jours, j'aurai un entretien téléphonique le matin. C'est bientôt bientôt le futur patron, tu lui enverras une photo de ta gueule, tu lui plais pas, et puis c'est tout quoi. Ah, mais ça, c'était le cas à l'époque avec les CV, il y avait les photos dessus. Maintenant, tu dois plus la mettre, c'est de la discrimination. Je suis désolé quoi, un appel, comme le patron il sait qui tu es avec un appel. Bah écoute, moi je vais décrocher, on verra ce qu'elle me voudra la poufiasse, mais... Tu peux pas être recruté avec un appel, je suis désolé. Ah non, mais c'est pas pour recruter, c'est juste pour faire le point machin, mais non mais... Le patron, tu vas le voir si tu veux un job. En fait, la meuf elle sera au Maroc, tu sais, limite. Tu vois, ça va être comme pour les plateformes téléphoniques. Je vais avoir un entretien avec quelqu'un qui sera à l'autre bout du monde. Donc pas ça très très professionnel. La moindre des choses c'est de faire venir la personne, surtout quand il s'agit de travail. Quoi. Franchement, ouais. j'aurais pas dit non, à part en cas de gros cas majeur, un travail ou vraiment un entretien avec un patron ou un truc du genre. Mais
à moins de ça, j'y vais, quoi. C'est moindre des choses. Déjà, une présence physique, ça a jamais remplacé une présence téléphonique. Bah hein. Oui, non. Bah bref, j'ai pas compris. Téléphonique, quoi. Pour moi, ça a aucune valeur. Bah, moi aussi. Alors, quand je voulais me faire recruter, j'y suis allé, quoi. J'y suis allé trois fois, je l'ai harcelé, le mec. Et maintenant, il est bien content de... Enfin, bien content, façon de parler, puisque maintenant, tu travailles plus. Mais ça, tu peux rien, ça, c'est... J'étais pas au courant, quoi. Heureusement d'ailleurs. Attends, je vais faire une formation, je sais que dans un an et demi je vais tomber malade, comme ça après je suis en arrêt. C'est ça. Un an et demi, non même pas un an seulement. Un an tout pile quasiment. Ah, ou pas. Ça va commencer en septembre. Ouais. Et je m'arrête en juillet. Le travail ça te réussit pas toi hein. Tu vas finir chômeur. C'est bien chômeur. Mantelé de la veillée funèbre. Bah déjà tu risques de toucher la hache. J'ai failli lui foutre une tarte. J'ai une manticore, t'en veux, tu la veux. Voilà. Je sais pas, te la fous dans le cul. C'est bien, on peut détruire les potions maintenant. Je sais pas si tu savais. Non. Bah tu peux détruire maintenant. Foutre les 4K quand je suis là-dessus. En espérant avoir cette compo, oui. Normalement. À moins que j'enlève les points de vie dessus. Attends, ça va remontre-moi. Attends, shift. Alors. Qu'est-ce que je peux enlever dessus? Ouais, non, t'enlèves les... Le rechargement. Même si ça peut t'aider, ouais, enlève-les quand même. T'es 4 cartes quand tu fais jusqu'à 15%. Ouais. Si t'as 13%, c'est dur. J'ai 13, pas mal. À 13. Lol. Pourquoi t'as parlé? T'aurais dû dire 15, merde. Ouais, je gagne. Attends, je gagne 8% de rebut avec. Normal. T'as 600 000 points de vie, déjà là ça commence à être intéressant. Quasiment 700. Oui, je le vois, t'inquiète. Hein. Je vais poser tout ça. Oulala, le mec il se met en marche fantôme pour aller de droite à gauche. Et... Ça c'est de la fainéantise. Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? Je réfléchis. Il faut que tu changes la. Faut que tu changes la rune de marche fantôme. Hein? Faut que tu changes la rune de marche fantôme. Pourquoi? Parce qu'elle est plus intéressante celle où tu cours plus vite. Hein? Ouais, peut-être. C'est vraiment ton moyen de locomotion, donc. Bah bon, je vais voir ça. Top. Marche fantôme, qu'est-ce qui se passe? Faut mettre celui-là où tu cours plus vite, je sais plus le nom. Ouais, mais... Pourquoi ils ont changé? Je l'ai pas utilisé. Non, c'est moi qui t'ai dit de mettre ça au début. C'est parce que t'avais pas beaucoup de robust, c'était vraiment pour que tu restes le plus longtemps possible dans le monde des morts. Ouais, lorsque notre marche fantôme, notre corps explose, non? Non. Votre vitesse de déplacement est fortement augmentée. Ouais, voilà. C'est vraiment bien pour te déplacer et puis pour fuir aussi. À ce niveau-là, si tu vois que tu peux pas encaisser, tu te casses. Ouais. Ouais. Pardon, veuillez m'excuser. Ça sent la rentrée, hein, ça sent. Il n'y a plus personne partout. Il y aura bientôt plus de gens qui font Pokémon Go.
Ils sont tous à l'école. T'as vu la ministre de l'éducation là? Interdiction de jouer à Pokémon Go dans la cour. Non, même pas ça. Elle a fait appel à Niantic pour enlever Pokémon rares des écoles. C'est n'importe quoi. En gros, ils sont en train de dire ouais, il faut mieux enlever Pokémon rares, hein, comme ça on n'a pas besoin de s'occuper des gosses et on sait qu'ils vont pas sortir leur téléphone. Hein. On peut pas les gérer de toute façon. C'est ça en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ouais, comme ça, ça nous évite de. Écoute, si. À la limite, tous les gosses, ils joueraient à Pokémon Go dans la cour, au moins ils seraient pas emmerdés par les bagarres et tout ça. C'est clair, c'est clair. Et puis dans les classes, à la limite, bon bah. On est au 21ème siècle, c'est évident que les gosses, ils ont leur téléphone. Donc au lieu de les interdire, il faudrait plutôt les autoriser. Mais dans un sens lucratif. Par exemple, il y a plein d'applications sur le téléphone. De lecture, de grammaire, tu vois, des applications. J'avais un prof comme ça en technologie. Oui, mais moi j'utilisais le téléphone. Mais bien sûr, moi c'est ce que je ferais. Tu peux pas aller à l'encontre de la technologie et de. Les cours ils étaient beaucoup plus amusants comme ça. Mais carrément. Et puis t'as pas envie de. L'envie n'est pas forcément là d'envoyer des messages, d'appeler quelqu'un ou de. Tu vois. C'est pas pire que les mecs qui ont un MP droit dans leur poche et qui mettent une oreillette au niveau de leur manche. Hein, on a tous connu ça. Mais oui. C'est pas nouveau. Bientôt, il y aura plus de fil carrément, donc. Et moi, franchement, le téléphone aurait été aussi omniprésent comme moi, j'étais professeur. Que je l'ai été pendant 2 ans. Bah franchement. T'étais professeur quoi d'info? Ouais. Pour des 5e. 5e et 4e. J'ai jamais eu de cours d'informatique dans le collège. On avait un mec à l'informatique, mais pour tout le collège quoi. Bah nous. Bah c'était vraiment au commencement et il fallait apprendre les bases et tout, tu vois donc. Après ça dépend, après c'était des collèges numérisés comme ils disaient. Ils disaient ça en fait, c'était qu'ils avaient ils fonctionnaient avec la dernière technologie, tu vois. C'est comme les collèges aujourd'hui qui utilisent les tablettes et tout ça. Voilà, moi franchement je suis pour, hein. Je suis pas contre. Hein. Changer de support, même à la limite plus de cahier, tu vois, c'est. De toute façon, déjà, ils ont éliminé les livres. Les professeurs qui utilisent les livres, ils sont contre la loi. Enfin, qui font porter les livres aux élèves. Parce que pour l'école, je parle bien sûr pour les professeurs équipés d'un tableau numérique dans leur classe. Eh oui, mais de toute manière, les livres, alors c'est bien, ça a été bien pendant un temps. C'est lourd, le gosse, le sac, il fait quasi. Un quart de son poids, il peut avoir une scoliose et tout à cause de son sac. J'avais pesé mon sac, moi, une fois quand j'avais tous mes livres, j'avais atteint 15 kilos quand même. Ouais, 15 kilos, tu vois. Et voilà. Et en plus, c'est du papier et les armes, faut les. Voilà, je veux dire, c'est. Donc, dans les deux cas, aussi bien si tu es du côté vert que si tu es du côté pour la santé de ton enfant, il y a déjà deux grosses bonnes raisons d'arrêter les livres. Et franchement, combien de fois on les a oubliés? Ou alors, on avait un prof qui faisait un autre système, c'était qu'il y avait un certain nombre de livres, c'était des tables de 2, et les livres restaient en classe. Voilà. Et par exemple, moi je me souviens d'un. Je me souviens, moi, nous on avait. C'était en maths, on avait notre livre chez nous. On savait très bien que si on arrivait en maths sans notre livre, il y avait tout un stock de livres de maths. Donc. En gros, ça servait à rien, ça. Ça servait à rien de faire semblant, faire exprès de l'oublier. Et je me souviens, les livres, ils coûtaient cher, les potes, ils coûtaient. Ils coûtent toujours aussi cher. Hein. Moi, j'ai mes bouquins de traçage dessin, là, ils m'avaient coûté 40 euros unité. Voilà, mais c'est cher. Hein. Donc, franchement, tu fais le calcul sur tous les livres que tu as besoin. Puis, je suis sûr que si tu payes un ordi de base pour de la bureautique. Bien sûr, on va regarder la puissance de l'ordi pour éviter que l'enfant joue. T'en as déjà pour 200 euros le PC, quoi. Voilà. Alors que t'as quoi? T'as 5 livres à peu près? Donc tu fais 5 x 4.
20, 200 balles, voilà. T'as 200 balles de livres. Tu peux t'acheter un petit PC bureautique. Voilà. Donc elle a l'I8. Ils le mettent en location, en quelque sorte, dans les classes, tu vois, et que ça serve de 3 ans. Ils sont remis à zéro tous les... Les PC, ils les changent tous les 2-3 ans dans le collège. Voilà. Ah, par contre, c'est un truc que je trouvais ahurissant. Les câbles Ethernet. Ouais, bah quoi. Pour eux, c'est comme une monnaie, quoi. C'est le truc, t'en as plus besoin, tu veux plus l'utiliser, tu jettes. Et à la fin de l'année, tous les câbles Ethernet des PC, mais absolument tous, finissent à la poubelle, peu importe l'état. Ouais, ils les changent. T'as 600 câbles Ethernet qui finissent à la poubelle, 9. Bizarre, ça. Parce que tu peux le garder longtemps, le câble Ethernet. Mais 9, ils s'en foutent. Ça a été utilisé par les élèves, c'est comme la couverture à l'hôpital, utilisée par le patient. Ça se voit quand t'es bientôt en train de mourir, toi. Les comparaisons, franchement, elles sont terribles. Mais oui, mais bon, voilà quoi, c'est le câble Ethernet, il le jette, comme ça. Genre, c'est un chiffon. Alors que t'en as quand même pour 9€ par câble, quoi. Ouais, ils doivent avoir des réducts parce qu'ils les prennent en masse, tu vois. Non, je leur ai demandé leur prix à l'unité, c'est 9€. Pour un câble de combien de mètres? C'est des câbles de 2 mètres, je crois. Bah, t'en récupères et tu les vends. Tu les vends sur le bon coin. Ouais. C'est limite, tu les vends par stock de 50, quoi. Tu fais les couilles en or. Et même en platine. Après, faut voir la qualité du câble aussi. Hein. Oh, c'était pas des mauvais câbles. Après, le réseau du collège en lui-même, il était pourri. Et c'était un réseau pour tout le collège divisé en 600. Attention, bouge. J'imagine même pas le débit qu'on avait, quoi. Ouais, c'est... Pour télécharger 50 MB, on en avait pour l'heure entière. Je me rappelle des heures... On avait des heures en anglais où on devait télécharger un fichier, ça nous prenait toute l'heure. Lol, c'est sérieux. Le temps que tout le monde ait fini de télécharger le fichier, ça nous aurait pris toute l'heure. Bon, après, je suis sûr qu'il y en a qui mentaient aussi pour venir de... Ah, mais moi, je le rappelle, avec leur PC, c'est énorme. Ah, on fait avec les moyens du bord. Bon, maintenant, je pense que les écoles peuvent s'équiper de fibres, quand même, bon. Moi, soudain, oui. Alléluia. Alléluia. Bon, est-ce que... elle est pourraise, mais... Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de changer quelque chose dessus? Bah, la Vita en pourcentage, de dégâts. Et après, tu mettras un cube. Ouais. Je veux quand même me l'équiper. Pour dire de... Ouais. Oh merde, je suis full. Cristaux de sang. Ah, oh, une ceinture. Non. Bah, je suis full partout, de toute façon. Cristaux de sang et... Cristaux de sang. Ouais, je viens de tuer un gobelin. Avance un peu. Et je vais aller dépenser mes cristaux de sang sur mon autre perso. Parce que... pour dépenser un peu là... Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Les épaulettes. J'ai toujours pas eu mes épaulettes en ancienne. C'est bien les épaulettes du build, moi, qu'il faut que j'ai. Oui, oui. Je m'en rappelle plus. Elle est 10h. Température extérieure, moins 650. Faites attention quand vous sortez. Il faisait 18 tout à l'heure. Là, il doit faire 23-24 déjà. Ouais, bah oui. Là, je bois mon café, mais je bave. C'est... Non, j'ai jamais vu cette arme-là. C'est une dague. Vos attaques gèlent pendant 3 secondes, je crois. Hein. Ouais, c'est une petite dague de ninja. Le Django, ouais. T'es déjà reparti, quoi. Ah, le catalyseur. V-roll de Zoom, ça. Attends, je vais juste roll vite fait ma... Ok, ouais. Ma tag. Je crois que je vais mourir.
contre du, bah, du DCC. Salut aux gens qui regardent le stream et qui ne parlent pas un boulot. Merci de regarder le stream, n'hésite pas à follow. Et salut à toi, Neo Froster. Petit ninja. Petit mimé, si tu te calmes pas, je te fous des doigts dans le fion, ça va te calmer bien. Eh, laisse ma main. Ce qui est bien, c'est qu'il griffe pas. Mais y'a pas de DCC. Sur quoi? Sur l'arme. Ah, les DCC. Pourcentage de dégâts. Ah, de dégâts de zone. Mais non, pas dégâts de zone. Pourcentage de dégâts. Ah, mais excuse-moi. Je suis con, ça c'était moi. Voilà, plus 10%, hop, direct. Et t'as un cube ou pas? Ouais, je dois avoir ça. Bah, tu perds ton arme et tu mets une grosse gemme verte dedans. En attendant. Part dans son délire. Sodomi, t'es mon ami. Une grosse gemme verte, tu m'as dit, oui, pour le DCC. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Alors, une grosse gemme verte. Allez, dépêche-toi là. Gemme verte. Ah, mec, grosse comme ma bite. Ah oui. Allez, dépêche-toi, donc une trique en moi. Attends, je me fabrique une royale sans défaut. Ah, t'avais pas ça encore? Oh là là. T'es encore à l'âge de Pierre. Hein, Pierre? Jackie et Michel. Je vais enlever le peignoir, moi, parce qu'il commence à faire chaud. Ah, ouais. Ah, ouais. Voilà, je suis de retour. Avec 2 millions de rubis en plus. Le gros pervers, de dégâts en plus. Et là, bah, moi, son dame à 10, et donc, du coup, si une fois que tu as chargé à 10, bah. Je vais te dire combien je vais monter. Bon, pour l'instant, il faudrait-il qu'il y ait 10 mobs. Ah, ça va être dur là, les mobs tombent trop vite pour que tu puisses te charger. Aïe. Et surtout que là, voilà. T'es revenu pour la fin et y'a rien. Petit 800, boudin. 800 000 PV avec la dague. Gan, regarde le webcam. Je suis un petit chat. Ah, Kadala. Est-ce que tu vas pouvoir me donner... Et ça coûte 100, les amulettes? Oui, ça coûte très cher, c'est pour ça. Qu'est-ce que je peux essayer d'avoir d'autre à la place? À la limite, ce que tu peux faire avec les compos, si tu fais des jaunes, tu demandes à Kadala, et les jaunes, tu les transformes. Il me faut un anneau, à la limite. Non, j'ai plus besoin d'anneau, j'ai ma rosée, j'ai mon œil de tout petit. La rosée, non, la rosée, non. La rosée, c'est pour DH. Ce petit chat ne bouge absolument pas quand on lui fait des câlins et tout comme ça. Nickel, qui nous. On croyait que c'était une demoiselle au début. On l'a traité comme un PD du coup. Ah, mais carrément, quoi. Ah merde, j'ai ma main sur ses boules. Désolé, je te touche les boules. Qu'est-ce que je peux essayer d'avoir? Réfléchissons. Des amulettes. Je vais chercher mes compos et on va essayer de roll les amulettes. Hop, oh, vas-y, hop. Pas ton temps, hein. Moi je suis occupé avec mon petit minou. Dit comme ça. Alors je suis sérieux, dit comme ça, je suis occupé avec mon petit minou. Je vais rien dire. Le mois prochain, je coupe les fous. Si seulement il comprenait le français. Mais il comprend très bien. Tu sais qu'il comprend, il comprend quand tu viens ici. Comme la plupart des animaux. Ouais, mais les chats, c'est difficile en temps normal. Mais j'ai pas besoin de lui dire viens ici à la chatte. Elle vient toute seule. Ouais, mais quand il sait qu'il doit pas faire un truc d'à côté et je lui dis viens ici, il vient vite. Pas parce que
pas parce que je l'ai maltraité, hein, non. C'est tout le... ce que tu l'as torturé, ce chat. Oui, il a l'air vachement torturé, hein, si tu regardes le stream, je suis en train de le... Ah ben voilà. Promesse du voyageur. La promesse du voyageur la plus moche du monde, c'est promesse du voyageur. Allez, petit mitou. Bon, il y a quand même des CC 75% dessus. Montre-moi. Montre à papa. Elle est moche, mais il y a quand même des CC 75% dessus. Là, ce matin, je voulais couper mes ongles. Je sens le coupon. Je vais la vie par seconde dessus, c'est sûr. Je reviens, il n'y a plus de coupon. Il a joué avec, je sais pas où il est. J'enlève la vie par seconde dessus, c'est sûr. C'est sûr, ouais, pour la chasse. Pour la chasse, ouais. Et voilà. Et donc, du coup, quand tu vas courir, tu vas gagner de la rebut. Et quand tu bougeras plus, tu vas gagner jusqu'à 100% de dégâts. Et voilà, une chasse. Au bout du deuxième coup. Donc, tu es presque build. Et par contre, elle est vraiment très moche. Je perds 44% de récup. Ouais, mais c'est pas très grave, ça. Et 5% de dégâts. Oui, ça par contre, c'est un peu plus grave, mais t'as pas le choix. Et je gagne 12% de rebut. Mais tu gagnes 100% de dégâts, hein, avec l'effet de la rose des vents et du machin. Mmh. Donc. Ouais, c'est sûr. Bon, par contre, j'ai pas la gemme à mettre dedans. Mais... C'est laquelle? J'ai pas de gemme, de toute façon, il faut que j'aille faire un effet sup. T'as toujours pas eu la. La gemme pour les familiers, tu l'as toujours pas eu? Non. Test, ça aussi. Non, j'ai toujours pas eu la gemme pour les familles. Et, bah, du coup, tu veux partir en fait sup? Bah oui, quand ça servira à quelque chose. Yatta, j'aime les explosions. Pourquoi t'es resté dedans? Je voulais voir ma rebut. Non, mais je te l'ai dit, aucune. Tu pourras jamais. Les explosions et tout ça, c'est trop fort. Même avec 170 millions de rebuts, je pète quand même T13. Ils ont dû augmenter, je sais pas. Dégâts 100%. Bon, en fait, tu cours, tu mets tes trucs au sol et tu bouges plus. Mais Gargantua, ils se sont fait défoncer. Comment ça? Ah oui, il faut que t'attende. Je récupère le CD. Ouais. Là. Je peux essayer de bouger le moins possible quand t'es en train de DPS. Hein, parce que sinon, tu perds le... Tu peux voir les deux petits passifs. Que quand tu bouges, tu prends de la rebut et quand tu bouges plus, tu prends du DPS. Donc, ouais, c'est vrai. Quand je bouge plus, je monte. Ouais, ton DPS, ouais. Ouais. Je monte à 107. Bah là, t'as dit trop loin. J'ai une dame à 8, je suis à 107 M de rebut. Logiquement, normalement, je devrais pouvoir faire. Bah, tu sais quoi, j'ai complété les objectifs d'aujourd'hui. Ce matin, j'avais dit la dague et la mulette. Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Oh, c'est publicitaire ça. C'est bon, tu peux y aller, t'as la protection. Ah, quand t'as la protection en faille sup, faut vraiment profiter de plus bouger. Hein. Limite, tu bouges plus tout le temps, tu sais. Hey, Gargantua, il commence à faire mal. Tiens, ta canalisation, tu pourras courir beaucoup plus vite, plus souvent. Ah bah là, t'es quasi full build, hein. Non plus que les Tascar et Théo, et puis... Tascar et Théo, putain, j'arrive pas à les avoir ceux-là aussi. Ils sont assez durs.
Je sais que dans ton ancien stream, tu les as eu dès le début. Ouais. Mais j'ai fait la connerie de me les mettre sur moi, mais ils sont... Comment dire, ils sont trop modifiables pour se les mettre sur soi. C'est pour ça qu'il est préférable de garder le set. Hein. Ouais. Il y a moins de paramètres sur le casque de Jérôme plutôt que les gants, en fait. Ah, tu l'as jamais vu, mon masque de Jérôme? Non. Ou tu l'as regardé? Je l'ai regardé tout à l'heure, je crois, mais vite fait. Enfin, il est pas moche, mais... Je pense que il y a moyen d'avoir largement mieux. Bon bah là t'avais de quoi te charger là. Avec elle t'as de quoi te charger en temps normal. Hmm. Ah je suis con, j'ai encore des cristaux de sang, putain. Je dis je dois aller sur l'autre perso pour mes cristaux de sang et je relance encore un truc quoi. J'suis trop con. Voilà. Voilà. J'ai fait le murloc. Tu fais des monstres à 500 points d'XP supplémentaires, absolument pas intéressant. Ah oui, t'as la gemme de pour l'XP. C'est surtout la gemme après, hein, parce que moi elle est 81, qui a fait monter 39,30% des dégâts des familiers. Et vos familiers subissent 90% des dégâts en moins. Elle s'appelle comment? La cheville ouvrière. Elle ressemble à un cœur en fait. Je l'ai pas là. Mais pour l'instant, je manque le fléau des puissants. Que je me suis mis. D'ailleurs. Bon, ben je vais fermer, je vais sur l'autre perso. Chevalier de Léoric. Corne Gansley. Je crois qu'il me faut un Jiram. Je crois. Hein? Je crois qu'il me faut un meilleur Jiram. Je suis pas sûr. Je regarde mon. Moi bon, après, bon. Il y a de l'intel, il y a de la vita, il y a du chance de coup critique dessus. Et par contre, c'est 82% de dégâts, quoi. C'est ça qu'il y a moyen d'avoir mieux, quoi. Ouais, il y a largement moyen d'avoir mieux les 89. Ouais, il faut tu peux avoir 100%, c'est ça? Ouais. Je suis à 82%, ça peut faire une différence si j'en trouve un autre. Hein. Bon. Qu'est-ce que... Je vais essayer d'avoir les tasquins un Théo avec elle. Ah voilà, essayer d'avoir des gants, ouais. Les gants. J'ai mis ma somme. Bon bah moi aussi, j'ai mis ma somme au moment où j'ai mis ma ça. Je t'arrive, gagne. Attends, je regarde un peu vite fait. Copa. Je distribue les points pour l'instant. Hop. De l'intel. Du point de vie. Bon. What? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait 900 000 points de vie. Ça augmente vite. Je me souviendrai de plus me laver les cheveux le soir. Le matin, laisse tomber. Oh. Je vais me prévoir une petite bouteille d'eau, je reviens. Attends, tiens. Quoi? Tu mets de l'intel à la place de la dextérité, tu pourras... Fumeur du crime. Tu changes juste la stat. De l'intel à la place de la dex, ouais. Tiens, moi aussi. C'est un peu mieux quand même. De ce que t'avais. L'intel, on peut monter jusqu'à combien?
500. Jusqu'à 500, je vais quand même essayer de rouler un peu. Voilà, 466. Encore un peu. 500. Merci. Lol. Ouais. Oh ouais. Je perds 5% de rebut, mais je gagne 12% de dégâts. Et tu changes les poignes de mort par Gargantua. Et quel pourcentage de... Je perds hein, par contre dessus. Oui mais elles sont plus avantageuses du fait que je récupérais légèrement plus vite ton tes Gargantua. Ah ouais. Oh, par contre je perds la masse de PV. Gargantua tu m'as dit à la place de poignes de mort. Bah oui. Je suis pas sûr de l'avoir. Allez, 15% direct, bim. Non, je vais pas avoir assez de cristaux. Terran. Bon bah garde les tiennes actuellement. Ouais. Attends. Je vais mettre celle-là dans le coffre. Bon bah j'attends que tu reviennes. Mais y'a rien dessus sur l'art du crime en fait. C'est une ceinture toute basique. Non, y'a rien dessus, c'est juste que c'est la seule ceinture qui peut obtenir des DCC. Donc du coup, beaucoup de dégâts. Et de la vitesse d'attaque. Donc du coup, intéressant. Ouais. C'est pas faux. Bon, on y va ? Vas-y, vas-y. Donc là, je crois que... Je commence à être intéressant en dégâts, je suis à 900 000 de base. Avec 12 millions de rebuts. Vas-y, je te laisse. Essaye de le tuer lui. Allez-y, voilà. Si j'avais pas les Gargantua, moi aussi. Non, c'est pas encore ça. J'ai réussi à faire de la 45 solo. Bah, tu viens de tuer un élite en 55, s'il te plaît. Hein. En 55 duo. Hein. C'était pas un élite, ça. Si. Je peux faire attention. Si j'ai tué, je te le laisse pour voir tes dégâts. Ah, je suis à 122. Ouais, je pense que je peux monter à 130 000 à peu près. De rebut avec la moisson d'âme. Ah bah je vais te dire, 148 000. C'est pas mal pour une million, ouais. Oh bah ouais, là tu tiens de la 55 facile, là. Il manque vraiment les Tascar Théo qui feront le... vraiment le complémentaire au niveau des dégâts. Qui sont trop lents, là, à frapper tes... gains ouais. Ventures. 50% de vitesse, c'est pas négligeable. Ah bah non. Et après, bah la cheville ouvrière, hein, qui fera tout le reste. Qui est énorme d'ailleurs parce que... Cheville ouvrière... Ah oui, la gemme. Ce sera la première qu'il faudra monter à mort d'ailleurs. Bah pour l'instant, je vais monter le fléau des puissants, il est niveau 38. Ouais, ça permet d'avoir un bonus quand tu tues une élite. Ouais, un bonus de 20%. C'est pas négligeable quand même. Ça pique. Il faut... Bah, sort de l'arcane. Arrête de l'allonger. Il longe l'arcane, le mec. Essaye de nager dedans, ce jeune homme. Attends, je vais voir en bas, peut-être qu'il y a quelqu'un. De toute façon, tu peux te le faire, logiquement. Hein. Donc, j'en ai fait un tout à l'heure, donc je fais confiance. Faut juste regrouper tous les mobs à chaque fois. Comme ça, tes Gargantua quand ils frappent. Et quand t'es dans un gros milieu de mob, il faut sortir tes Gargantua parce que des fois ils sont à l'extérieur. Donc, Bah oui, mais. Non, mais même avec 140 millions, je te l'ai dit, hein, c'est. J'étais pas à 140 millions, j'étais pas en moisson d'âme. Ah, c'est encore pire. Et puis de nouveau. La panda.
carte du piège. Ah, la perte du piégé, c'est celle qu'il te faut monter. C'est la deuxième qu'il te faut te monter. Ah bon ? Ouais. Quand les effets vous sont montés, car il est Ça te monte tes dégâts. Des ennemis contrôlés. Tant qu'elle est pas 25, elle s'auto-contrôle pas. Donc. Mais une fois qu'elle sera 25, tu seras auto-contrôlé. Écoute, je vais me la mettre dans la mulette, peut-être. Bah, mets-la toi où tu veux. Je peux même peut-être faire de la 60, je crois déjà. Oh, peut-être pas. Oh, si. Attends, je vais réessayer d'avoir mon Pascal en PO. Tant qu'elle me les donnera pas. C'est quoi ça? Gantlet des gladiateurs. Oh, à la limite, je peux peut-être essayer de rendre vite fait. Non, mais j'ai pas assez de cristaux volés. Ouais, non. Fais que les cristaux de sang pour le moment. Puis moi aussi, je peux me les choper, donc si jamais ils tombent. Bon, allez, 60. Une écharpe au couteau en ancienne. C'est la première fois que je l'ai en ancienne. Oh, que des mobs caca boudin là. J'ai pas vu ce qui m'a touché. Il y a un truc qui m'a touché, mais je sais pas ce que c'est. C'est le 60, ça. Ouais. Faut quand même esquiver tout ce qui est par terre et tout, quand même, parce que... En tout cas, t'as beaucoup plus de rebuts que moi. Hein. Bah, je suis en 10, donc... Ah bah, là, il y a suffisamment de mobs. Bah, c'est simple, t'es souvent en 10 quand les mobs mettent un peu de temps à descendre. Prends pas, hein. Ah. Ah bah, là, plus besoin de rebuts. On peut tout défoncer. Allons-y. Ah bah. Allez, défonçons tout avec ça aussi. Touche à 1 million 1. Non, il suffit d'avoir les bons piliers dans la bonne faille qui... La puissance, protection. Non plus que la canalisation. Ah bah là, ça aurait été une tuerie pour moi. Et en plus, je joue en Némésis, hein. Donc la rebut, j'ai pas beaucoup de rebut. Bah tiens, ta canalisation. Elle est là. Non, je vais mettre tout.
Bon, pour l'instant, le plus gros coup que j'ai vu partir, c'était du 14 milliards. 14 000... Ouais, 14 000 M. Ouais, c'est pas mal. C'est pas 14 milliards, du coup. C'est 14 billions. Un sacré coup, quand même. Là, on voit que ça. Hop, on a le boss. Ok, ouais, en arrière. Non, t'es quoi ? Oh, putain, pas lui. Évite les rats et tout ça, ok. Les rats, à la limite, c'est quoi, ils me font faire avoir de la moisson d'âme? Non, les rats verts, là, dans le, la, la pestification, là. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Altération ésotérique. Non, c'est pas encore celle-là. La 60, elle passe. J'ai eu la rosée. je l'avais quasiment jamais la rosée. Et maintenant, je la loot. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu? Le gros caillou de regard. Glace défiante en ancienne. Une belliqueuse. Tiens, la belliqueuse, je l'avais pas eu dans cette saison. Merci pour la transfo. Ah. 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 Il y a des trucs qui apparaissent sur... mon écran. On va retenter les gantlets. Allez, on va y aller. On va y aller. Ah, du tout. Par contre, les gantlets en ancien. Est-ce que je mets du DCC dessus? Ah, bah oui. Bah oui. Tu vas gagner, c'est évident. Ils sont beaux. Ça va. Ils sont pas mal, ils sont mieux que les jeux. Les jeux sont pas terribles. Ouais, mais ils sont quand même bien meilleurs que les miens. Ah oui, bien sûr, c'est de l'ancien après. Hein. Hop, non, pas de la vitesse d'attaque non plus, pas du cooldown. Putain, ils vont pas me les donner. Putain, ça va pas me le donner. Oh, quand tu me fais chier le jeu. T'as plus de compo. Puis te voler encore une fois. Ah, il fallait tout ramasser tout à l'heure, je sais pas pourquoi tu ramassais pas tout. Faut tout casser les jeunes que tu ramasses par terre. Ah, non. Alors, faut ta cheville ouvrière là, parce que... T'as mis... Ah, j'ai cru que t'avais mis 265 pour l'instant. Non, la cheville, la 65 peut-être quand j'aurai le tasque RNTO et la cheville ouvrière. Ouais. Et après, bah, il n'y aura plus que ça, hein. Il faudra juste monter. Ok, elle déchire cette faille. Pourquoi j'ai plus ma... Oh, j'ai ma potion qui s'est enlevée, quoi. Oh, chier. Les mobs là-bas.
ça va pas faire que la faille avec des mobs quand même. Ah, je sais pas, mais pour l'instant c'est bien parti. Au moins que tout est dans le prochain. Ah, j'arrive. Bah ça là, elle était pas trop moche. Et ça va, il y a quand même pas mal de mobs, donc ça c'est pas mal, mais... Une élite de temps en temps, ça ferait du bien, quand même. Mmh. Yes. On est ici. Ok. Voilà. Il faut qu'il arrête, là on est en stream. Ça se fait pas. Ça non plus, ça se fait pas. Ça pique, où ça pique? Non, ça pique plus. Oh si, ça pique. Ah, c'est les lyra verts là. Oh putain, c'est encore le même. Bah oui. Fais chier, Jackie. Meurs. Ah merde, putain, j'ai pas fait gaffe. Meurs. Meurs. Putain, ils mettent trop longtemps à se recharger, les gargantueurs. Une fois que tu les as perdus. Ah oui, faut... c'est pour ça qu'il faut essayer de mourir le moins possible. Toxine virulente. C'est toujours pas bon. Empoisonne aux ennemis touchés, ce qui leur inflige 2000% des dégâts de votre arme en 10 secondes. C'est pas top. Oh, t'as du gem sur 3, c'est pas mal. Au bout d'un moment, hein, tu les auras toutes. Hein. J'ai eu 79%. J'ai rame tout pour... Bon, ce que tu peux faire après, c'est le garder. Et... Ah, t'as vu les brassards? Je le connaissais pas celui-là. C'est lesquels? Ah, les, l'araignée. Ah, les garde-les. Je l'ai en ancien. Ah ouais, garde-les. C'est pour l'autre... c'est pour l'aspect Firebat. J'allais dire, sinon tu gardes le Géram et tu utilises la compo... Non, rien du tout, le Géram il est tout pour un. Ouais, mais tu peux le reforger. 5 compos des actes et 50 âmes oubliées. Et du coup, ça le reforge. Donc du coup, ça t'évite de redouter, hein, en fait, tu vois. Ouais, moi je le mets de côté, mais... Enfin, pour l'instant, le mien, il est pas si dégueu que ça, quoi. À part son pourcentage. C'est chiant, là. En dessous du drap et tout niquer le fauteuil là, pas le canapé, c'est chiant. Méchant chat, méchant. Heureux. Donne-moi mes tasques et un Théo, toi. Non, c'est quoi encore ces nouveaux gants? Point du mage. Ah, tu y étais presque. Quand t'as les points du mage, c'est que t'aurais pu avoir les tasques et un Théo.
qui fait partie de la même catégorie. Bon, j'espère qu'elle sera meilleure celle-là parce qu'elle était un peu relou. Ouais, il y a souvent du mob ici. Ah, sur ces failles-là, ouais. Merde, j'appuie sur mon bureau à chaque fois, ça me saoule. Explosive le début. Il n'y a pas un deuxième élite par hasard? On l'a eu avec, hein. Ah, oui, sûrement. On me demande de prendre. Voilà, là. Bientôt 400. Hop. Ah, j'ai utilisé ma popo, mais ça m'a téléporté. Mais mort. Ça m'était jamais arrivé. Je crois que ça, c'est une grosse première. J'ai réussi à me téléporter, mort. Ah, t'as la même potion que moi ? Ouais, ça me téléporte. C'est la meilleure potion, je trouve. Bah, des fois, ça te téléporte en plein milieu de l'ennemi, par contre. Bah normalement c'est censé calculer les endroits où il n'y a pas de mobs, hein. C'est marqué dessus. Ouais, c'est censé, mais les mobs bougent. Allez, meurt l'élite, putain, pas moi, l'élite. Je sais que je suis une élite. Putain. De la merde. Hey, une demi-heure plus tard, putain, attends, une minute pour recharger les gargantues. Eh, hey, mais t'as un passif qui te permet de récupérer du cooldown avec les ennemis tués dans les 20 mètres. Donc tu devrais venir là où je les tue. Comme ça recharge ton cooldown. Moi, c'est vrai que c'est qu'un gros paquet de mobs que j'ai. Quoi? Are you dead? Ouais, vous comprenez pourquoi je suis mort, mais je suis mort. Hop. Mets-toi dans l'immeuble. Ah, tu récupères plus vite ton cooldown, non? Légèrement. Ah, il s'addique ta classe, de toute façon. Il s'addique. Ouais, c'est... Tu meurs, tu joues tout seul, tu meurs, c'est la survie pendant une minute. Ah, il faut vraiment faire une faille sans mourir, quoi. À la limite, c'est là. Oh, mais non, mais reste-moi, j'ai trop de temps là. 15 secondes déjà. Je suis mort trop de fois dans celle-là, bêtement en plus. Pardon. Tu crois que c'est en bas ? Bah, il y a des chances, non ? Non, absolument pas, excusez-moi. Petite perte de temps, c'est pas bien grave. On est là. Surtout qu'on avait un élite juste derrière. Donc il y en a eu un double là. Voilà. Ah, mais on a un pilier de puissance. Ouais. Il y en a un là, hop, il y avait un là. Des mobs. Tu fous
faut une tornade en plein milieu, c'est la vie, c'est l'amour. Et peut-être. Non, putain. Si, puisque tout seul là-haut. Ouais. Léo désaccablé. Toujours pas. Je vais l'avoir en dernier, je le sens. Pourtant, j'en ai déjà une 12. Combien j'en ai ? 5, 10, 15, 18. Ah, mais il en manque une. Il en manque une. Et on sait laquelle c'est. C'est quoi ces chaussures? Botte de glace. Je vais aller sur mon petit chouille. Va. Je vais encore essayer d'avoir mes gants. Encore mes gants clairs en ancien. Et qui fait la moto? Je sais plus lesquels choisir, j'ai encore eu mes gants clairs en ancien. T'es sérieux? Ouais, je crois qu'elles ont légèrement un meilleur jet en intel et un meilleur jet en vita. Et en chance de critique, je crois bien aussi, de 0,5. Bah, donc tu sais très bien lesquels mettre alors. Ne dis pas que tu sais pas, hein, tu sais très bien lesquels mettre. Les autres, tu les dases, bim, voilà. 880. J'ai légèrement moins 100 vita, mais j'ai de l'armure sur ceux-là directement. Ah, mais l'armure, faut que je l'enlève. Ou alors j'enlève la vita. Non, j'enlève l'armure. Ouais, j'enlève l'armure, ouais. De quoi? Ouais. J'enlève l'armure pour mettre du CC. Dans tes gants, là? Ouais. Bon, je le cherche, ton casque. Il n'y a pas d'armure. Je parle de quel thème? Ah oui, t'enlèves l'armure pour mettre du DCC. Non, mais... c'est celui-là que je viens d'avoir, pardon. Bah oui, là, oui, c'est pour ça que je comprenais pas. Là, t'enlèves la recharge. Ouais. En espérant que t'as assez rapidement ton... recharge de compétences. Et allez, putain. Il m'a filé deux fois le Kesa Colt. 37%. 37%, j'essaie d'avoir mieux. 50%. Ouh! Le max. Et voilà. J'ai mes gants. Je pense que je pourrais rarement avoir mieux. 900 de vitalité, 880. Si tu peux en avoir des full DPS après. Ouais, des full DPS, mais ceux-là ils sont déjà plutôt. Attends, regarde. Excuse-moi. Je suis sûr que même toi t'en fais tiche, puis ils te font gagner. Non. En rebut, oui, mais sinon. Et pourtant, ils sont pas en ancien. Putain, c'est quoi ces gants que tu nous as ramassés? Bah, ils sont quasi full G en fait. Ah ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas de gants anciens moi. Putain, je suis con. J'en ai une paire là, mais je pense pas, je peux pas te les donner, c'est dommage. Non, tu les as déjà roll. J'essaie d'avoir un casque alors que j'ai pas encore de gants anciens, putain, je suis trop con. En même temps, c'est plus important mon casque. J'ai le casque en ancien, les gants en ancien. C'est tout. J'ai absolument rien d'autre en ancien. Une petite danse pendant le chargement, là. Oh putain, attends, j'ai la masse de points à distribuer.
Ouais, bon. Plus tard. Oh yes, on se retape le même. Ouais. Ah, par contre, là, il y a des... Bon, au moins, je suis sûr d'avoir la bonne gemme sur ce coup. Oui. Non ? Bah oui, c'est une recipe qu'une. À moins que j'ai un doublon. Mais je l'aurai. Ça va péter, bouge. Bon, on a eu les deux élites, c'est le deux joueurs. J'aime bien ce début de stream. Ah bah oui, c'est tout concentré, t'as deux élites, voire trois, c'est déjà arrivé dans le jeu 3. Il y avait un pilier, donc du coup t'en as trois. Et exactement le même après. Ça, par contre, il y a un élite qui arrive en... un mode I believe I can fly. Maintenant, il y a double élite. Ça, c'est du début de faille. Ah bah, on aimerait bien avoir de la faille comme ça tout le temps. Ah oui, bien sûr. Pied de défense, voilà, ça c'est l'amour. Pas d'élite, pas d'élite, pas d'élite. Si, t'en as attaqué un. Ah ouais ? Et l'un s'est attaqué à Hul machin. Il est là. Lire le chat. Hein. C'est comme ça, moi je sais où je dois y aller. Voilà. Ouais, meurt et remeurt. Comment ça se fait qu'il y a encore des affixes là? Je crois qu'on peut finir ici. Hein. Pff, limite. Là, encore mieux. Encore deux élites et un pilier, je suis sûr qu'on l'a fini. Et voilà. Il y en a un là-bas. Je le vois. Ouais, ça a attaqué un pli. Allez là. Et là, on a rien. Attention à l'électricité, ça te fait très très mal en temps normal. Ouais. Un peu les mobs aussi, comme ça, ça... Ça complète. Et surtout, je crois, c'est les... Les gros comme ça, là. Ouais, les gros démons comme ça, ça fait rapporte. Voilà, je veux là. Ouais. Oh merde, pas lui. Je crois qu'il se dédouble. Et merde. Autre. Amplificateur de douleur. Ça ? Bah merde ! T'as mal compté, c'est pas possible. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Bon bah il y en a 20 alors. Ouais, elle ressemble un peu à un cœur rouge hein, celle-là. Ouais non, l'amplificateur n'est pas. Oh non. T'es sûr que t'as pas là. L'as pas. Sûr et certain. Un bordel de cul de merde.
C'est chelou. Ouais, c'est, c'est le temps que je monte la perte du pigé, tu sais. Sauf au moins les monter 25 pour qu'ils ont leur deuxième effet. Points du mage. Tiens, t'as eu les points du mage. Ouais. Il y a encore une fois que t'aurais pu avoir les tasks qui rentrent. Hein. Le jeu veut te les donner, hein, parce que pour te faire tomber du point du mage, c'est que. Il veut te les donner. Hein. Les angeleurs aussi. Mais ouais, mais non. Le jeu me dit tu ne les auras pas, je te donne des angeleurs et tu te démerdes avec ça. Encore ? Mais c'est parce qu'on est gentil. Viens là, par là, viens par là, toi. Oh putain, ça descend. Oh putain, ça descend. Pff, de partout. Ça va péter. Et on encore la même. Pas le même homme, mais la même faille, quoi. T'en as deux. Deux, ouais. Attends, je vais te prendre un truc qui va t'aider. Vas-y, tu peux tout dégommer, là. Pourquoi t'as une protection? Ah oui. Vaut mieux parce que putain, il m'a posé 5 ou 6 lasers le con. Attends, je vais t'aider un peu. Vas-y, hop. Putain, mais regarde ça quand on a déjà fait la moitié. On va battre le record du monde de vitesse. Non, je pense pas. D'avoir des bons records là, mais enfin du bon temps et tout, mais je crois qu'on l'a fini avec 12 minutes d'avance juste avant. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on était pas loin. Faudra regarder le meilleur temps qu'on a fait. La élite, je crois, ouais. Moi je peux te le laisser, non? Maxime, que je me bats dans les escaliers actuellement. Pas toi, pas vraiment. En fait, t'es un coach, hein, toi. Mais c'est trop, c'est trop ça. Ah, allez! Allez, les invoques, allez, les invoques. Des fois, je leur donne un petit boost, c'est le petit stupéfiant. Le petit dopant. Je vais voir là-haut, mais la suite elle est en bas. Et il y en a encore un là. Laissez-moi passer. Il y en a un là. Moi je suis en train de le taper. Ça limite là-haut. S'il y en a encore un là-haut, on peut finir ici. Il y a pilier. Non, bah ben, j'arrive. Et il y a un élite aussi. Moi ouais, c'est bon, il est là. Quand je prends le pilier. Il y a du poison aussi, beaucoup. Voilà, en plus c'est. Recule. Oh putain, c'est le meilleur de tous. D'accord, je suis super loin, qu'est-ce que je vais aimer, quoi. Ah là, tu sais.
Mais what? Il y en a combien maintenant? C'est toujours pas la bonne, non. Mais t'es sérieux? Je suis à 20. J'ai 4 barres de gemmes. Là, regarde combien t'en as, toi. Alors, 5, 5, 10, 15, 20, 21. Oh, c'est la dernière. Bon, allez. Là, c'est vraiment la dernière. Oh, putain. Ah, des épaulettes. Est-ce qu'elles sont belles? Non, elles sont dégueu. Tiens, j'ai pourri dessus. Là, on l'a fini en 3 minutes. C'est-à-dire qu'il restait 11 minutes. 11 minutes 2. Ah, enfin une autre map. Qui ressemble beaucoup, hein, mais... Effectivement, qui ressemble beaucoup. Elle est plus grande, celle-là, mais... remarque... Oui, non, mais si, elle est plus grande, normalement. T'as la barre, comment elle monte. C'est trop de bonnes. Ouais, puissance. Oh merde. Puissance. Trop de puissance, tu la puissance. M'a fait, tu poses ça. En fait, il sort du pilier et frappe déjà les mecs, quoi. Putain, c'est quoi ce monde que j'ai ici? J'ai beaucoup de mobs, ben je vais les tuer. J'essaye de faire un gros pack et tu vas dans le pack, tu vas faire sortir les gargantuas si tu peux faire ça. La technique. Tiens, quand les gargantuas ils tapent dans un gros tas, j'ai l'impression d'être dans Asterix Obélix quand ils tapent dans les Romains. J'ai pris le pilier de vitesse. J'ai vu là. Toujours pas d'élite. Mais dis donc, je suis en... Ah ben non, j'allais dire je suis en rate d'élite, mais... J'ai du mob et de l'élite. On se fait carrément à côté chacun, en fait, là. Voilà, service gratuit, écoute. Et je vais pouvoir aller débloquer un peu plus d'espace pour les cristaux de sang. Et c'est quoi là? Il me fait quoi l'élite? Il se barre le truc? Il lui fait peur, t'as une sale gueule. Bah, par contre, les gargantures, vous êtes gentils. Mais... Ah, il faut les rappeler à l'ordre à chaque fois. Hein. Il est 11h, température extérieure, 175 degrés. Sérieux, il est déjà 11h? Ah oui. Ça fait, bon. Ça fait tant de temps que ça qu'on joue. Ouais, ça va faire 2h bientôt. Oh merde, il a foutu du gel partout le con. Ah, quand même, il a eu du mal à mourir. Bah, par contre, ça va être chiant pour. Ça va être pour le boss. Qui va avoir le boss? Bah, c'est moi, croyons. C'est pas dit. Putain, je me suis mis dans un cul de sac. Ça a quelle odeur? Oula. Ça sent la soupe au chou. Ouais. C'est moi, je l'ai. Méchant. Bon, dépêche-toi de le tuer que je me TP. Ah, essaye de venir quand même. La gueule sanglante en plus. Je suis bien chié, lui. Je suis à 10 000 km. Moi, tu vas le tuer avant que j'arrive, hein, c'est tombé. À part s'il me tue. Que pour l'instant, t'as toute ta vie. J'ai plus de haine. Ah, avec 11 minutes d'avance. Allez hop, tu peux te TP.
Sit back and relax. Et là, là, c'est la cheville ouvrière. Enfin. Enfin. Ouais. Mais par contre, je vais continuer de... Je vais finir de monter la perte du piégé. Ah, et j'ai re-eu ma dague. Ah, il me manquerait plus qu'elle soit ancienne, ça va te niquer un cube pour rien. Seul problème quand tu mets un cube, c'est que tu fais... J'ai un deuxième cube en stock, au cas où. Bon, allez, à chier. Bon, on marque. Garde-la, hein, il la faut dans le cube hein, pour l'autre SP. Ouais, ouais. Je la garde, mais elle est à chier. Ça va, elle est correcte. Pour une ancienne, elle est correcte. Tu mets de la vitesse d'attaque dessus, elle est correcte. Bon, je vais arrêter d'ouvrir mes trucs dans la... Ah, il faut fêter... faut fêter cette cheville ouvrière. Attends deux secondes, je me vide. Et faudrait que je fasse un trou dans mon deuxième anneau, en fait. Juste avant. Parce que j'ai pas de trou dans le deuxième anneau. De toute façon, si la gemme elle est niveau 1, c'est pas très gênant pour le moment. Il fait pas grand chose, je crois. 15% de dégâts en plus, des familiers. Ah ouais, carré. Non, bah essaye de faire un trou. T'as quoi comme. J'ai le dos de l'homme petit, je vais enlever la résiste dessus. Bah ouais, t'as pas trop de choix. Ouais, donne-moi une chasse. Pas gentil, donne-moi une chasse. Donne-moi une chasse parce que sinon je la creuse moi-même. Mmh. Chasse, merci. C'est rare de l'avoir aussi vite. Ah, c'est bon, j'ai mes 3 gemmes. Allez, on va fêter ça, allez, viens. Dépose la merde, et voilà. Limite, j'ai 600 points de pas de cristaux. J'ai 600 cristaux de sang. Mais je sens que je peux m'avoir l'état sphère LTO. Ça doit pas être impossible. Regarde, voilà des cristaux de sang encore. Quoi, t'as un gobe? Bah oui, il était là. Regarde, en haut. Ah ouais, putain. Je suis à 900. Merde, putain. Bon, pas de deuxième gobe hein, parce que j'ai la limite de cristaux de sang qui est bientôt à fond. Bah il y en a un, mais c'est pas des cristaux de sang. J'ai pas fait bon effet sur le solo. 60, je suis allé jusqu'à 45. Ah bah il y en a un là. Allez, va dépenser. Moi aussi, merde, je suis fou, le bordel. Je suis obligé de dépenser avec lui quoi. Mais non. Je vais en dépenser 200. Je vais en dépenser 950. Dans les gants, bim. Même fou ou quoi, avec lui des épaulettes. Que du jaune pétasse. Au moins ça te fait des cristaux volés. Salope, chienne. Excusez-moi. Je me laisse emporter. Salope, chienne, pute connasse. 950 cristaux de sang et rien. Que des putain de maçonneur de jade de mes couilles. Il vient récupérer, il y en a par terre. Ah, je l'ai. De toute façon, tu dois tellement te faire faille solo pour monter toutes tes gènes minimum 5 ans. Je l'ai quand même. Et tu sais quoi faire de ta journée à la limite, hein. Ah, il y a un gobe sauvage. Ah, c'est rare. Yes. Ah putain, on avait une bonne, un bon anneau là. 4 gobes. Par contre, contre les boss, t'es un peu short avec ta classe. C'est inconvénient.
Parce que tu peux pas trop charger en moisson d'âme. Sauf si le boss fait apparaître des ads, là c'est bien. Il y a moins de ça. Allez-y les chiens. Oh bah oui, il est foutu dans la zone, il est fini. T'as vu le gob, il a pas sorti, il est mort. Voilà, on a fêté. La cheville ouvrière. Et apparemment, je suis mort dans cette histoire. Ah, c'est quand il t'a frappé là. Il y a des chances, ouais. Ouais, attends, par contre, je vais distribuer mes points parce que j'ai 11 points dans chaque. Par contre, ce que tu peux faire aussi, c'est améliorer tes gemmes là. Hop. Parce que t'es pas full impérial, hein. Sans défaut. Ouais. Ou royal, sans défaut, pardon. Je mets de la vitesse d'attaque pour réduction de ton recharge. Sur quoi? En troisième stat. Ah, ça y est, t'es. J'entame la troisième stat en attaque. T'as mis CC et DCC pour le moment? Ouais, ouais. Temps de recharge. On recharge. Bah oui, comme ça tu récupères plus vite les gargantes que tu as. Ensuite, point de vie, je suis full. Je mets de l'armure. T'as mis en point de vie? Ouais. Bah non, réinitialise. Mets tout dans toute la résistance et en armure. Ouais. Toute la résistance. Pas moyen de faire un contrôle clic. Si, bah si, mais sûr que si. Pour mettre 10 par 10 ou shift, je crois, mais. Ah ouais. Pour 10 par 10. Et en armure. Et en armure, ouais. Et le reste, ben point de vie, du coup. Non, en régène. Les points de vie sont en dernier. Ah. j'avais mis de la vie par coup ici. Ouais, vie par coup et réduction de ressources. Et après, dégâts de zone. Là, c'est bon, j'ai mes points qui sont distribués. Attends, je vais ouvrir tout ça. I got away. J'arrive ou Black Thorn? Black Tub. Black Noob. Non, je ne veux pas délaisser ma popo. Allez, go. Tiens, toi. Encore. Putain, mais on a tout le temps le même environnement. Bah écoute, t'as pas vu, on termine la 60 en je sais pas combien de temps. En 3 minutes. Donc c'est qu'on peut monter, hein. Et après, faudra que tu montes tes gemmes en royal, hein, sans défaut. Tu peux gagner en rebut, hein, encore. Tu peux gagner en dégâts et en rebut. Ah, par contre, là, si tu t'es pris un coup de... un coup de roi marteleur. Mon roi marteleur, à chaque fois, c'est quasiment un élite, en genre. Parlant d'élite, ça serait bien d'en avoir là, non? Dans l'histoire, ouais, un jour. Tiens! Bah, je monte parce que comme ça te fait un plus d'XP, toi. Et moi aussi, mais bon, c'est tellement peu que. Bon, on va à droite. Ouais, moi après, je suis que 423. Donc... Ah, donc du coup, tu prends la blinde. Bah, laisse tomber. C'est une barre toutes les 3 secondes. Oh là 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 là. Ah putain, mais ils font mal les rois marteleurs de pique. Il n'y a pas assez de petits mobs. Tu les tues trop vite surtout.
Ah là, t'as plus trop chargé là. Bah oui. Hey Gargantua, on y va, plus 15% de dégâts par rapport à tout à l'heure. Je veux que ça envoie du steak. Tu verras pas une grosse différence puisqu'on est monté en difficulté. Tu vois, tu peux pas comparer à tout à l'heure. Ouais. Tu vas mourir lui, ou faut que tu fasses une... Oh, putain. Une turlute. Il a donné beaucoup. Ah bah oui, le grand marteleur, déjà il donne pas mal, mais si en plus de ça c'est... Attention! Ah, il y a double élite là. Ouais, mais surtout renvoie de dégâts, moi ça me pique. Hein. Toi, ça, à la limite, tu t'en fous. Puisque c'est pas toi qui fais les dégâts, donc. Ah, aïe, aïe! Oui. Et de là, hein. Putain, mais c'est une map à remarteleur ou quoi? Ah là, c'est une map à remarteleur. C'est chiant, mais quand tu arrives à les tuer, tu prends la blinde. Ah, il y a une élite. Celui-là il apparaît comme ça. Un taureau, ça paraît. Un taureau, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un excellent Pokémon. Ouais, pas, bon, pas dans Pokémon Go en tout cas. Pas dans Pokémon Go peut-être, mais c'est toujours un excellent Pokémon. Ah, mais t'es resté dans la. Dans la glousse. Dans la glace. Dans la glousse. Moi, c'est trop loin de vous. Non. 10 minutes. Non, laisse-moi. Mort trop de fois. Attention, un roi martelure. Oh merde, il est induit. Ah, si tu veux récupérer plus vite tes gargantuels, faut que tu mines. Hein. Oh putain, ça, encore un roi martelure, mais c'est pas possible. Lui, il est sorti, mais il a attaqué direct. Ah merde, il y a des ondes gelées. J'ai une musique épique là en plus au moment où il est apparu. Tu vois un peu le joueur de musique. Ouais, moi j'ai pas la musique. Là 65 commence à devenir intéressant, tu vois. Ouais. Faut esquiver, faut bouger, faut... Si t'arrives à 65 duo, la solo elle va être aussi easy. Ouais non, tu peux pas à 65 duo, je me fais tuer tout le temps. Bon, parce que c'est des rois marteleurs, ça serait pas des rois marteleurs. Hein. On serait pas là. Ça. Tu t'es fait niquer à moitié par la fournaise aussi, hein, j'ai vu, donc... T'as paniqué, t'as couru dans une flamme. Putain, mais ils ont tous renvoi de dégâts, merde. C'est pas sérieux, ça. Ouais, elle est moins bonne, celle-là. Ah, c'est pas qu'elle est moins bonne, c'est qu'on met plus de temps. Il y a quand même un peu moins d'élite, je trouve. Et si on tombe que contre des rois marteleurs, des vrais sacs à PV... Ouais, mais ils donnent la blinde. Oh putain, il y a des lacunis aussi. Ça me saute à la gueule, les lacunis. T'as encore 2-3 rois marteleurs en haut. Bon, les plus chiants, c'est les lacunis qui me font chier là. Il n'y en a plus, il y en a encore. Ça fait une connerie là. Utilisez-moi son dame sur un seul mob. Je sais pas si c'est bon ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sacs de mob, tu vois, sur la carte. Sac de nœuds. À la limite, tu vois, j'ai réussi à avoir moisson d'âme de 4, je trouve que c'est un exploit. Allez, il y a moyen d'avoir le boss sur cette map. Oh, largement, il suffit de monter. Bah finalement, ça, la map elle aura peut-être été un peu meilleure que celle-là, donc, mais... avoir le boss sur la première map. Fais attention.
Parce que si elle te balance un truc vert, tu meurs. Donc essaye de te mettre derrière les gargantuas, comme ça ils se prennent les projectiles. Je plante mes dégâts, j'arrête de bouger. Ça va acheter un truc, fais gaffe. Mets-toi là où je suis, il y a tes gargantuas, tu te prendras pas les trucs. Pourquoi ils ont bougé eux? Il faut les suivre. De toute façon, dès que tu vois qu'elle balance un projectile, hop, dans le monde des morts, bim. Merde, tu fous le cristaux de sang, c'est vrai. J'ai eu un fait. Moi, j'ai eu un fait. Terminer deux ensembles de classes suivants au niveau 70. Ah, j'ai eu le temps. Ah, je crois que j'ai eu la cuirasse d'Arak. Ça y est, ouais. C'est mon deuxième set. Je sais pas s'il va me servir un jour, mais je l'ai de complet. Je peux les dépenser sur mon autre perso après. Ah, c'est vrai, j'ai les cristaux de sang qui sont bien montés aussi. Encore le doigt de l'homme petit. Putain, je vais finir par l'avoir en ancien celui-là, conclave des éléments. Il est comment ton doigt de l'homme petit? Non, t'as eu l'homme grand là. Tu le vois le petit, t'es l'homme grand. Hein? Ah oui, non, merde, excuse-moi. Ouais. Ce serait été le petit, faudrait regarder. Et le carapace d'Arachir, je peux le mettre de côté. Comme ça, ça me fait le stuff complet. Il donne quoi à ce set? Invoque la reine araignée permanente secrète d'étoiles. Là, c'est celle qu'on vient de tuer. Tu peux invoquer le boss qu'on vient de tuer à l'instant? Non, ça n'a rien à voir. J'ai juste une grosse araignée. Oh, merci pour les Némésis, je les avais pas. Doté de Natalia. Lol, c'est sérieux. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, mais tu. Natalia, c'est du. C'est du DH, mais... ça. Ouais, ouais. Attends, je vais sur mon autre perso. Juste comment ça s'appelle, quoi. Doigté de Natalia. Là, il y a le doigté de Zumimasa aussi. Pour le fétiche. C'est toutes les femmes qui se touchent dans ce jeu. Mais bon, un doigté d'un féticheur, je sais pas si c'est très glamour. Oh. Ça doit pas... ça doit pas être génial. Non, encore Natalia, je dis pas, mais... Doigté de Natalia, ouais, c'est limite. Ah oh, putain, il veut pas, hein. Non. Bon, moi, c'est mon casque. Le carnaval, le machin truc. Le Kizakolt, encore une fois. Conclure, désolé. Bon, je peux la mettre de côté à la limite. Ah, ce que je peux rôler à la 8, c'est les épaulettes que tu m'as donné tout à l'heure. Que j'essaie d'obtenir les dégâts de gargantua dessus. Mmh. Non. Tu vas avoir un 14. Mur de trépas. Dégâts de zone à 15%. Dégâts de zone à 15%. Point de mort à 15%. Piranha à 11%. Mur de trépas à 15%. 15%, putain, c'est du troll. Mur de trépas à 12%. Ah. T'as pas pu? Si, ou je peux encore, ça tombe pas, hein. J'ai que poignée de mort, mais de sauterelle et mur de trépas, hein. Et piranha aussi, et 15%. Ouais, il sait que tu vas jouer Gargantua, le jeu. Quoi? Le jeu le sait, le jeu ne veut pas me donner Gargantua sur les épaulettes. À la limite, attends deux secondes, peut-être encore.
Allez Kadala, je compte sur toi. Non. Non. Point du mage encore, salope. Oh putain. Je vous l'avais, hein. Je te promets, je vais faire une pétition pour la faire supprimer du jeu. Mais bon, elle donne... C'est peut-être long, mais elle donne des items qui seraient encore plus longs à obtenir si elle n'était pas là. Je l'avais quand même. Ah ça nous avait manqué, dis donc. Ouais, une map différente. J'ai l'impression de plus jouer au même jeu. Il y a quand même des élites des débuts. Ouais, sors. Merde. Je n'ai pas vu venir celui-là. Ce rush que je t'ai tapé avant de me taper explosion dans la tronche. Ouais, là, de toute façon, on a fait déjà les deux élites de la map, de toute façon, donc... Logiquement, là, on a bientôt la suite de la map. Oh, j'ai... T'as déjà, j'ai rien. Il me faut à peu près 3-4 fails pour prendre mieux. Ouais, la fin de la map. Allez, on se casse. Ouais, une map comme ça, ça te met tellement bien. Ah bah... Pour changer, dis donc. Oh. Les fantômes. Par contre, les fantômes, ils te mettent très mal, fais gaffe. Il y a vraiment des mobs qu'il faut que tu évites. Ouais, tiens, putain, on pourra les éviter avec ça. Merde, je t'ai mis sur le mob sur toi. Je t'ai mis l'élite sur ta gueule. Il y a deux élites jaunes. Oh merde. Allez, esquive. Non, je reste là, je laisse les gargantues à faire là-bas. Limite, je leur mets une petite zone gratuite, allez. De toute façon, c'est le gameplay du truc, hein. Y'a pas à tortiller du cul, hein. Ah, putain, y'a des zones vertes au sol quand tu tues les mobs, c'est vrai. Ah, c'est qui, ça fait mal. C'est pas tous ces fantômes, y'a un élite. Au secours. Ouais, bah j'arrive. Oh putain. En fait, je m'en vais. Non. Qu'est-ce qui se passe? Même en étant à 10, c'est la misère. Y a des mobs qui se mettent trop à misère, je pense. Bon, de toute façon, ça sera la dernière pour moi. Enfin... Salut Roro 20002. Comment on va? Non! Oh putain, il m'a joil dans l'explosion, ce con. J'ai failli passer là. Je sais pas où il est. Je vois des traînées de feu, mais je sais pas où il est. Il est ici. Il est ici et là. Par ici, par là. Il paraît là. Il paraît ici. Il disparaît là. Oh putain, t'as une élite. Ah non, c'est moi. Faut que j'apprenne à lire un peu. Ah, bien, et toi, juste bientôt la reprise. Ah oui, bientôt la reprise, c'est ça. Il y a du poison, beaucoup de poison. Aïe, si. J'ai une élite, moi, là, donc. Ouais, moi j'ai plus mes gars quand tu as. Donc il y aura plus personne le lundi alors pour faire les ST, c'est ça? Je serai tout seul. Si ça peut t'aider un petit peu. Ça va être beaucoup. Ça me permet de tuer l'élite. J'arrive. Bah t'as tué un élite tout seul. Il y a un pilier. Puissance. Non, non. Non, bah, j'arrive. On l'a surtout pas, j'arrive. Il
Oh, ça veut dire on fait ça le soir. Ah, ça veut dire qu'on fait ça le soir, ok. Bon, on va se faire voir. What? Ah, le mob, ce qu'il m'a mis. Attention, j'arrive. Un petit cadeau. Tu me suis pris toutes les boules rouges. Oh merde, je rigole de trop et je fais plus attention. Ouais, bah, c'est bon, hein. Bah écoute, je serai là les lundis soir alors. Vers quelle heure à peu près? Tu sais à peu près vers quelle heure, Roro? De toute façon, je passerai quand même à 13h pour voir s'il y a des gens demain. Ouais, pas demain, mais lundi. Et dans l'électricité. Je sais. Je suis dans tout et n'importe quoi là. Ah bon? T'es dans une vieille en train de se décomposer? Attention, c'est encore la lieuse, elle vient cracher. Mets-toi en bas des escaliers. Ah, j'aurais cru que... Blanc. Le mec, il essaie de me ressusciter, je fais même pas attention. En fait, dans ma tête, je me suis dit, il y a les gargantua, mais en fait, non, puisque t'es mort. Tu me dis quand c'est bon. Ah putain, j'ai vu la boule verte t'arriver dans la gueule. Il y en avait trois. Mais j'ai vu une grosse boule verte t'arriver dans la tronche, quoi. Ah, on est fini. On doit déjà être dans les 68-69, hein. À deux. Pense. Oui. Voilà, la perte de piégé est niveau 25, à la limite je commence à monter la cheville. Là. Non bah dis donc, les 4 sont passés à 60%. Que je les paye. Bah sur cette faille, on va se laisser. Je casse tout. Oh putain, joli. La mésenture de... Ouais. Ah bah tu gardes, hein. Tu verras bien ce que tu pourras en faire. Tu joues avec quoi actuellement? Là, je joue avec le homuncule. Ah d'ailleurs, t'es déjà quasi... fait pour jouer en sacrifice, là. Va falloir que tu changes quelques petits trucs. Je te dis ça juste après, attends. Attends, mix des deux sans sacrifice, là, en fait. Parce que du coup... Il faudrait que je joue avec la mésaventure d'Henry, normalement. Normalement, oui. Donc voilà, donc je vous lèche. Ouais, je suis riche. Bah, en même temps, sur ce jeu-là, c'est pas difficile d'avoir de la thune. Hein. Tu fais quelques anneaux de Lénine que tu mets dans le cube, que tu vas dans le monde des gobs. Et, attends, j'en ai un, là, les anneaux de Lénine. On en a déjà fait pas mal avec pas mal de gens qui l'ont ouvert. Sinon, moi, j'ai encore dans mon coffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anneaux de Lénine. Donc tu te fais à peu près 9 fois 50. Ça fait à peu près 450 millions que je peux déjà me faire en plus. Là. Si je les fais tous. Donc voilà, c'est sur ce, je vous laisse. Je vous dis, on est quel jour? Je vous dis à demain pour le dernier live de la semaine. Donc je vous dis à demain. Peace, passez une bonne journée.